Yahoo, mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de Gachapon. Mais déjà, on a deux séries dans ces 10 Gachapons qu'on va ouvrir ensemble. Et en plus, c'est une vidéo 100% Halloween. Donc si la suite t'intéresse, continue. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on a deux collections, on peut très facilement les reconnaître parce qu'il y a une collection, tu vois, les capsules, les couleurs sont en matière mate et là on est en matière transparente, donc on a deux collections, donc là j'en ai 4 et j'en ai 6 d'une autre collection. Je vais essayer de t'afficher les images si je les retrouve sur le site de Candy San, donc bien entendu une fois de plus je les ai achetées sur le site de Candy San. Tu as un code promo pour avoir moins 5% à toutes tes commandes dès ta première commande et c'est à vie. Donc voilà, et on va donc ouvrir ça ensemble. Donc c'est que du Halloween, c'est pas Pokémon, c'est pas une licence, c'est que Halloween. Et c'était donc des gachapons de Candy San. C'est tout ce que je peux dire de plus. Alors on avait ceux-là, c'était des petites gommes. Voilà, c'est des petites gommes en forme de citrouille. Alors si je dis pas de bêtises, c'est des gommes. Je suis plus trop sûre. Moi j'ai acheté juste parce que c'était Halloween et c'était plutôt mignon. Alors ce qui m'intrigue depuis tout à l'heure, c'est que j'avais vu ce mini papier. Enfin, c'est mini papier plutôt. Et qui doit avoir rien de très... Voilà. Ne pas avaler, ok. Je suis sûre que c'est trois fois le même. On parie, c'est trois fois le même. Voilà, c'est ça. Ne pas avaler, ne pas avaler et ne pas avaler. Ok, donc les papiers qui ne servent à rien. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de virer ça et on va se rapprocher surtout. Donc voilà à quoi ressemble la citrouille d'un peu plus près. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'elle est dans les tons roses, mais c'est pas très grave. Et elle est mignonne avec son petit chapeau. Je me demande si du coup ça s'enlève. Ouais, c'est ça, ça s'enlève et ça se remet. Je trouve ça plutôt mignon. Voilà, on va attaquer avec le deuxième gachapon. On va prendre. Qui est pas de la bonne collection, bien sûr. On va prendre le vert. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de scotch pour cela. La même citrouille du coup en vert. Alors ce qui est bien aussi, c'est que j'avais vu, c'est qu'on peut les superposer. Je vais te montrer ça. Hop. Donc la petite citrouille verte. On va zoomer pour que tu puisses me voir. Voilà. Et quand je te disais donc que l'on peut les superposer, on enlève le chapeau. Là, il y a un trou. Tadam. Bon, ça marche très mal là, au sens là. Mais de base, tu es censé pouvoir, voilà, les mettre comme ça. Donc ça, je trouve ça trop mignon. Franchement, j'adore l'idée. Donc voilà, j'adore l'idée, j'adore le concept. C'est pour ça que j'ai craqué, même si franchement, honnêtement, c'est tellement petit que ça va pas me servir à grand chose. Je ne vais pas les utiliser comme gomme, mais je trouve ça plutôt mignon. Et puis voilà, sur une petite étagère, ça peut être sympa. On continue avec le bleu. Ah, on a encore la rose. C'est la même, ouais, c'est la même. Donc je vais... Oui, c'est la même, donc je vais la garder de côté et je la ferai sûrement gagner lors d'un concours ou un truc comme ça. Ah bah je pensais pour mes, peut-être pour dans mon concours de Noël, ça pourrait être une idée. J'ai oublié de dézoomer, désolé. Hop. Et on a une troisième couleur qui est donc la citrouille orange. Donc je pense pas que j'ai pris toute la collection parce que si j'avais pris toute la collection, on n'aurait pas eu de double. Mais ça me dérange pas parce que voilà, c'est pas non plus pour faire la collection que je les ai pris. J'ai pris juste parce que je trouvais ça mignon et j'avais envie d'en avoir. Voilà, hop. Celle-ci, elle fait un peu plus sa tronche. C'est à côté, on a celle-ci qui est plutôt mignonne. Et la verte, qui aussi... On va attaquer donc avec les fameux gachapons de couleur. Mais le problème est que je n'ai pas enlevé les scotch. Je dois t'avouer aussi que j'ai reçu les colis tout à l'heure, là, juste ce midi. Au moment où je filme, il est 13h, donc j'ai vraiment enchaîné. Ah, il y a deux scotch, c'est pas juste. Oh non. Donc c'est parti. Hop là. Ah oui, c'est vrai. Alors j'ai deux. On va sortir ça de l'écran. Voilà, comme ça. Moi je ne verrai rien non plus. Ce sont voilà des petits chats. Sorciers, les petits chats d'Halloween, les petits chats magiques. Donc on a soit les straps avec les chats suspendus sur un balai, soit les chats sur le livre de magie. Ce qui est bien, c'est que c'est trois pièces différentes. Et soit on a donc le chat avec son saudron et la cuillère avec la pomme magique. Je trouve ça trop mignon.
Donc là, honnêtement, si je peux en avoir, enfin ne pas en avoir, je préférerais ne pas avoir ceux à la du chaudron, surtout le vert, parce que franchement, c'est pas vraiment ce qui m'attire le plus. Mais après, ah, remarque, il y en a 6, donc je pense que j'ai les 6. Cool. J'ai dû commander les 6, j'ai dû kiffer le truc. Voilà. Waouh, là c'est super bien emballé, donc ce que je vais faire... Alors, voyons voir ça. La pomme est rouge, donc c'est plutôt sympa. Le petit chat. Ah, par contre, ça, c'est des figurines, c'est pas du tout des gommes. Et voilà. Ouh, c'est joli. C'est mignon. Je sais pas si on verra très très bien. Donc, on peut bien voir les coulis, etc. Là, j'aime bien, c'est qu'il y a les petites bulles, carrément. Donc, ils disent de mettre ça par dessus, ouais, faut que ça tienne. Ah, ça tient, d'accord, ça tient, ça tient. Et donc le chat qui est en train d'espionner. Oh, c'est trop mignon. Ah ouais, d'accord. Je sais pas si, ah non, il tient pas tout seul. Non. Et voilà. Et je trouve ça juste trop adorable et je suis contente de l'avoir pris. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va ouvrir les gachapons ensemble, on va voir qui on a et je vais faire une coupure, déballer tout le monde et on les assemblera ensemble. Parce que là sinon ça va être un peu trop compliqué vu la tonne de scotch qu'ils ont mis. On va décaler un petit peu les citrouilles et c'est parti. Donc ça, on va le laisser là. Voilà. Donc on attaque... bah, j'arrive même pas à voir. En même temps, les chats, ils sont noirs. Et tout est en noir en fait. Donc pas trop voir si, qui on a. Hop. C'est parti, donc cette fois-ci on a le chaudron marron, ok. Là. On continue avec le rouge et c'est... Je pense que c'est avec son balai. Ouais, c'est ça, il y a un strap. Ah, j'espère que c'est celui justement avec son nœud rouge, vu que le gachapon est rouge. C'est ça, c'est le chat avec donc son balai rouge qui était ici. Oh, on voit peut-être mieux là, du coup, les figurines. Voilà. Hop, on va continuer avec le gachapon suivant, le vert, et c'est un avec le livre. S'il y en a avec un livre vert, non. C'est vrai qu'il y a deux scotch. Donc on a eu celui avec le livre rouge et le sceptre rouge. Voilà. On continue avec l'avant-dernier. J'avais enlevé les scotch, hein. Quand tu as vu la coupure juste avant, c'est que j'avais enlevé tout simplement les scotch. Si, ce serait plus rapide. Donc là, on a... Ah, je peux peut-être l'enlever facilement. On a le chat avec son balai violet. Voilà. Cool. On va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Oh, trop mignon. Ah, oh, non, c'est trop chou. Alors, est-ce que ça va? Voilà. Hop. Que tu puisses bien voir à quoi ça ressemble. C'est trop mignon. On y repassera juste après. On va finir vite fait avec les gachapons et je vais ouvrir tout le monde. Hop, c'est parti. Le livre, le dernier qui nous manquait. On a donc eu tout le monde. Et c'est génial. Donc je fais une petite coupure, je déballe tout le monde et je reviens. Voilà donc à quoi ressemble l'ensemble de la collection. Donc je vais te montrer vite fait un petit peu là, les chats livres d'un peu plus près. Donc on a le petit chat comme ça. On a donc un petit livre avec des incantations. Et le petit sceptre magique qui est très mignon. Voilà. En plus, il est bien détaillé et tout. Voilà. Donc, le chat avec son livre rouge, le chat avec son livre vert. Donc, ce qui est mignon, c'est qu'on peut vraiment le mettre comme on veut. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal.
Bon, les chats avec les chaudrons, je pense que tu les avais vus tout à l'heure. Et en fait, on peut le faire tenir tout seul, mais il faut avoir de la chance, quoi. Donc voilà à quoi ressemble un des chats avec le balai, donc le rouge, et voici donc le violet. Alors ce que j'aime bien avec le violet, c'est que son chapeau est aussi violet, alors que l'autre, il a le chapeau noir, ce qui est dommage. Voilà. Donc, je vais te remontrer vite fait le sceptre d'un peu plus près, mais c'est minuscule. Voilà. Donc le vert qui est juste à côté. Et je vais te remontrer vite fait le livre avec les incantations et le petit chat qui est vraiment très 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 mignon. Voilà. Cette ouverture de gâchapon spécial Halloween est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à le faire savoir en likant, commentant ou même partageant la vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu préfères la collection des citrouilles gomme ou si tu préfères la collection des chats magiques. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye !